Bonjour Ferriel. Bonjour Martine, c'est un plaisir de te rencontrer chez toi pour une émission musique sur Bienweb TV. Je voudrais t'interviewer en te posant quelques questions, si tu veux bien. C'est ça, avec grand plaisir. Un grand merci en tout cas pour cette invitation. Donc, tu te considères comme interprète. Quelle différenciation fais-tu entre l'interprétation et l'imitation dans la musique ? L'interprétation, on va dire que c'est plus une façon d'interpréter à sa manière une chanson. Tandis qu'une imitation, on a plus tendance à recopier un artiste par ses gestes, ses mimiques, ses paroles, sa voix. Et ton travail, toi, d'interprétation, tu le travailles comment ? Il vient au feeling, je vais dire, en écoutant les chansons, je m'approprie les textes et je les chante à ma manière. Des artistes qui t'inspirent plus que d'autres, comment tu les choisis ? C'est plus choisi, je vais dire, par rapport à leur voix, au texte. Des thèmes particuliers qui t'inspirent plus que d'autres ? Tu peux nous donner des exemples ? Les thèmes d'actualité et aussi beaucoup d'engagement de la part de ces artistes qui se démènent pour essayer d'apporter un monde meilleur au travers de la chanson. Il y a une chanson qui m'a fort marquée à l'âge de 6 ans. Et c'est la chanson pour les enfants du monde entier d'Yves Duteil. Prendre un enfant par la main, qui est aussi une chanson d'Yves Duteil. J'ai été, je veux dire, guidée par ma maman qui m'a justement fait comprendre cette chanson. Tu l'as chantée dans quel contexte ? En public ? En famille ? Comment ça s'est passé ? C'est plus la deuxième chanson pour les enfants du monde entier que j'avais chantée en public à l'âge de 10 ans. Donc j'ai eu l'occasion de la chanter au Fête de Wallonie à Liège. Finalement, c'est la première fois que je chantais en public. Et c'était cette chanson qui avait été choisie. Donc l'autre chanson, Prendre un enfant par la main, c'est plus un apprentissage. Un apprentissage et aussi une forme de reconnaissance par rapport à ma vie personnelle qui a pu démarrer aussi grâce à cette chanson. Qu'en est-il maintenant ? Donc maintenant, je continue à faire mon petit bout de chemin au niveau artistique en allant chanter aux prestations dans lesquelles on m'invite à aller chanter. Et c'est essentiellement les personnes qui me contactent pour aller participer à des manifestations ou autres événements par l'intermédiaire de mon site web ferriel.diderenne.com. Yves Duteil, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, que j'aime beaucoup aussi, ou encore Liane Folly. Ça dépend, c'est assez varié. D'accord. Merci beaucoup, Ferriel, pour cette émission. C'est un plaisir.